Chérie? Chérie? T'as pas vu la dernière nouvelle à Jackie? De quelle Jackie tu parles? Jackie Ture, Jackie Reduit, Jackie Huissier? Mais non, notre Jackie cantonale, Jacques Méli. T'as pas vu le Méli Mélo qui nous fait avec sa troisième correction du Rhône? Il construit une nouvelle digue à Viège, il enfonce des pales planches à Port-Valais, et chez nous, il pique des terres aux agriculteurs. Mais il faut toujours que tu exagères. Il faut bien que le Rhône danse, qu'il coule sous les arbres, qu'il chante. Oui, bon, maintenant il attend de le voir couler, hein, maintenant qu'il a été réélu pour 4 ans. Enfin, heureusement qu'à Saillon, on peut compter sur notre conseiller Joël pour aider les agriculteurs en encourageant le label Grand Cru pour les vins régionaux. Qu'est-ce qu'il a encore fait, notre Jojo communal? En fait, il a entrepris des démarches pour permettre à nos vignerons en caveur de tendre vers l'excellence dans le respect des normes environnementales. Je te dis, c'est lui que le PLR aurait dû lancer comme candidat au Conseil d'État. Il aurait sûrement fait du bon boulot. Bon, écoute, tu comptes sortir des toilettes un jour? Parce que moi, j'ai toujours ta tranche de pain dans la cuisine et puis ton verre de lait qui t'attendent, hein? Quoi, mon verre de lait? Mais c'est presque l'heure de l'apéro!
T'as vu la rue des Capuchards? Ils proposent de nouvelles destinations pour la saison estivale. Quoi? Tu veux déjà réserver les vacances maintenant? Bon, et bien après tout, pourquoi pas? Dis-moi ce qu'ils ont comme destination. Ben, il y a par exemple la Norvège. Ah, la Norvège. Écoute, on pourrait aller là-bas et puis prendre contact avec le Sayonin qui s'est installé là-bas. Tu sais, Nicolas Yannon. Bon, en même temps, on va pas en vacances pour voir des Sayonins. Ouais, il y a aussi la Chine. Maintenant que les Chinois commencent à faire du bon vin grâce à Yves Roduit qui est parti s'installer là-bas pour leur apprendre l'art de la vinification, ça peut être intéressant. Je trouve que c'est quand même un peu loin pour aller boire l'apéro, chérie. Hein? Et puis tu sais, les Chinois, hein, on peut en voir à Gstaad, à Zermatt. Ouais, ok. Il y a aussi les États-Unis. Bon, en même temps, je suis pas sûr d'avoir très envie de leur faire l'honneur de notre visite parce que... Entre l'élection de Donald à la Maison Blanche et puis la non-élection de Courgette aux Oscars... Bon, bah écoute, je te propose qu'on fasse comme d'habitude, quoi. On va rester dans ce bon vieux coin de pays, on va aller près des montagnes dans notre bon vieux chalet, puis on passera de bonnes vacances. Ok. Les gens l'ont bien, même aujourd'hui, je suis née dans un...
avec nous, sans les textes sur les tables.
Descends les pieds du bureau, on travaille ici. Ah, cool, pas de soucis. Le nouveau chef de département a pas encore été nommé, alors profitons-en. Hein. Puis toi, qu'est-ce que tu regardes sur ton ordinateur? Ah, la vache, ils nous ont coupé le lien à la ligne rose. Le chef a encore sécurisé certains sites. On peut même plus s'éclater sur l'ordi. T'as qu'à regarder la chaîne des dessins animés, celle-là, tu peux être sûr qu'ils l'auront pas coupé. Hein. Ah ouais, je te propose sur le programme télé du nouveliste. Alors, à cette heure-ci, t'as le choix entre Le Roi Lion, La Panthère Rose, Johnny Jumper ou bien Valou. Pour les Schtroumpfs, les Barba Papa et puis Heidi, la petite fille de montagne, tu les regarderas chez toi, bah, ça passe à 16h. Ouais, on a peur avec ça. Bon, bien aller voir l'apéro. Ben, attends, c'est un peu tôt, c'est que 10h. Et puis surtout qu'il y a le chef qui doit passer de donner ses dernières instructions. Alors, d'accord. Attention, on se voit qu'il arrive là, oui. Autorité religieuse et autorité civile, à vous toutes et tous, amis et amis du champ, mesdames et messieurs, j'ai le privilège, au nom de la Société de chant La Laurentia, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. La société en général, dans laquelle nous vivons tous, est souvent faite de solitude et de surdité. Ensemble, nous essayons de vous donner le ton et la mesure juste. Les enfants, les jeunes, les adultes, vous apporte la preuve qu'il existe un remède au soupir et au silence. Quelle que soit la profondeur de nos sentiments, une reconnaissance demeure cependant insuffisante par rapport au soutien reçu. Un merci particulier s'adresse à l'administration communale pour la mise à disposition de son personnel, des infrastructures et l'offre du vin d'honneur. La fanfare La Grande Garde pour la mise à disposition de la salle de la lyre. À M. Roduit, directeur des écoles. À la Maison Jardin pour la qualité de ses services. À la Maison Perrier pour la technique. À Gérard Raymond pour l'immortalisation des débats de cette soirée. À l'Office du tourisme de Saillot. À Madame Ramsauer pour sa présence et son geste généreux. À Christophe Lisier, l'homme à tout faire de ce centre scolaire. Aux sponsors et généreux donateurs, au comité d'organisation, aux choristes des trois formations, aux renforts choristes venus de partout, aux trois directrices, Inès, Élise et Mireille, que je prie de me rejoindre. Thank you.
Thank you.
l'avenir. Même le patron de Novartis affirme que l'Afrique est le marché de l'avenir. Tu vois, même le journal, il n'est pas d'accord avec toi quand tu dis que la femme est l'avenir de l'homme. Ça t'en bouge un coin, hein. Enfin, pour ce qui est de l'avenir des marchés, j'y connais rien. Mais une chose est sûre, c'est que les Africains, ils seront toujours en avance au niveau du rythme. Hein. Parce que tes copines et toi, à votre cours de danse africaine, c'est pas encore au point. Hein. Sympa, et ben merci pour les compliments. Parce que tu crois que toi, au bal de la Sainte-Catherine, tu es bien dans le rythme quand tu marches sur les pieds des autres dames. C'est malin. Bon, ne nous disputons pas. J'ai réfléchi à cette histoire de vacances. Que dirais-tu si nous allions en Irlande? Tu sais, ces paysages brumeux, ces troupeaux de moutons, ces rythmes langoureux. Ces pubs, ces distilleries de whisky. Ok, va pour l'Irlande. Tu admireras tes beaux paysages pendant que moi je dégusterai quelques bières. Maria, Salamu, Mama Maria, Salamu, Mama Maria, Ma.
Va voir lui mettre les schtroumpfs à la télé et qu'on en finisse. Je suis trop grand pour garder les schtroumpfs. Je préfère les hommes bleus d'Avatar. Avatar? Mais non, mon petit chéri, je vais te chanter une berceuse. Thank you.
Il a signé un nouveau décret pour interdire l'accès au territoire américain aux Suisses allemands parce qu'il ne parle pas comme lui, peut-être. Ah, tu peux bien plaisanter, hein. En tous les cas, il a chic pour revenir toujours à la une de l'actualité et pour faire qu'on parle de lui, hein. Même attaqué par les gens de son parti, par les gens du Sénat, bah, il est toujours debout avec son arrogance et son slogan, là, l'Amérique d'abord. Ouais, tu vois où ça mène, l'argent et le pouvoir, franchement. T'as vu d'ailleurs en France le bazar qu'ils tiennent avec leur politique, avec leurs élections, hein. On parle plus des magouilles, des intérêts personnels que d'un véritable programme de société. Les gens savent surtout pour qui ils ne veulent plus voter. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent autre chose, hein. Des gens qui veulent du rêve, de la liberté, loin de tous ces clichés. Des gens qui ont compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, tu es trop optimiste. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur, dis-moi, tu as payé ton journal? Je t'ai pas vu mettre les sous dans la caissette tout à l'heure. J'ai pas pu, sinon j'ai plus assez pour payer le bus. Thank you.
bien cette année, une sacrée liste. Ça fait 30 ans que la mythique Dalida est partie rejoindre les anges. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et j'ai dit Dalida, pas la Castafiore. Tiens, ça fait aussi 40 ans que la Calas a disparu. Non, non, c'est bon. Sans oublier les 20 ans de la mort de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près de la... Au niveau des hommes célèbres, il y a le saint patron de la Suisse, hein, Saint Nicolas de Flux. Ça fait 600 ans qu'il est né. Un sacré parcours, hein, ce saint d'ailleurs. Ouais, bah c'est surtout sa femme qui a eu du mérite, hein. Elle a quasiment élevé toute seule leurs 10 enfants, pendant que lui réconcilie les confédérés et qu'il prie. Ok. Il y a aussi les 500 ans de la réforme, pour la réforme protestante, ça fait 500 ans de la publication des 95 thèses de Martin Luther. D'accord, mais Martin Luther est quand même tout de moins, moins connu que Martin Luther King, parce que lui, il a beaucoup œuvré pour l'égalité, le droit des Noirs. Ouais, d'accord, t'as raison. Et puis, on peut dire qu'il a plutôt bien réussi, hein, parce que regarde, depuis Martin Luther King, y a eu Nelson Mandela, président de l'Afrique du Sud, Barack Obama, président des États-Unis, et puis même à Saillon, Antoinette, présidente de la Laurentia. Bon, écoute. Bon, écoute, moi je crois que tu as bientôt fini de lire ce journal, ça fait toute la soirée que tu le lis, tu dois le savoir par cœur. Je vais t'expliquer la seule chose qui n'est sûrement pas écrite là-dedans. Ce soir, c'est la soirée internationale contre les tâches ménagères. Plus de repassage, plus de balayage, plus besoin de faire les cours. Ah, enfin du repos.